Émilien célèbre ses 100 participations dans les 12 coups de midi ce mercredi 3 janvier 2024. Après avoir réussi à franchir ce palier, le maître de midi a évoqué qu'il avait changé d'état d'esprit dans le jeu de TF1. Émilien restera à jamais un des plus grands champions des 12 coups de midi. Ce mardi 2 janvier 2024, l'étudiant de 21 ans a remporté sa 99e victoire et participera donc à sa 100e participation ce 3 janvier. Si est exceptionnel, ne cachait-il pas sa joie, dès l'officialisation de son entrée dans le club très fermé des maîtres de midi aux plus de 100 apparitions. En marge d'une interview accordée à Télé Loisirs, le candidat de Jean-Luc Reichmann, présent depuis le 25 septembre sur la Une, a évoqué que son attitude avait changé une fois sa 100e participation validée. J'avais pour nature d'être stressé, Émilien, les 12 coups de midi, admet qu'il va se relâcher dans le jeu. Émilien est de plus en plus libéré dans les 12 coups de midi. Le maître de midi n'est pourtant toujours pas le champion le plus à l'aise sur le plateau du jeu. En cause, l'enjeu suscité par le programme de culture générale. J'avais pour nature d'être plutôt stressé, admet-il honnêtement. Le vainqueur d'une 4e étoile mystérieuse promet que ça va changer. Je pense qu'après les 100 participations, je ressens une petite décompression. J'ai l'impression d'être beaucoup moins stressé dans le sens où ce qui arrive désormais est du bonus, souligne-t-il. Les 12 coups de midi, Émilien atteint les 100 participations sous les yeux de sa famille depuis la fin de la semaine dernière, Émilien peut compter sur le soutien des membres de sa famille. En plus de Jessica, sa petite amie et habituée du plateau des 12 coups de midi, ce sont sa mère, son beau-père et sa grand-mère qui apparaissent dans le jeu de TF1. J'étais très ému et très content de voir l'émotion et la joie de ma grand-mère d'être sur le plateau. Ça me touche que ma famille puisse partager mon expérience des 12 coups de midi, racontait-il à la suite de la découverte de sa dernière étoile mystérieuse. À la suite de sa 99e victoire, ce mardi 2 janvier 2024, Jean-Luc Reichmann a tenu à immortaliser le moment d'une belle photo prise avec toute la jolie famille. Une façon de garder ses souvenirs le plus longtemps possible.